Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, j'ai un peu mis clic et ça a monté le son au lieu de le baisser. Ah, explique qui rame du cul parce que j'ai déjà le jeu lancé en arrière-plan. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Voilà, vous m'avez manqué puisque c'est le premier live de la semaine officiellement sur cette chaîne. Et cette semaine, c'est une programmation un petit peu light qui nous attend. Et je vais DJ Nao en avance. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, d'accord? Donc, la programmation, la voici, la voilà. Elle est évidemment épinglée sur Twitter, tu ne peux point la rater. Je te la montre. Et capture d'écran. Si je fais ça, c'est pas mal. Hop! Là voilà. Alors cette semaine, comme tu peux le voir, mardi, nous étions sur Ankama Live, parce qu'il y avait un live spécial lancement de la 2.46, puisque ça y est, la nouvelle mise à jour d'Office est sortie, donc on ne manquera pas d'aller la tester cette semaine. Donc j'ai prévu ça vendredi. J'ai prévu ça genre, c'est Astrub les gars. Je sais que Rush de Quête, je suis assez lente et tout. Mais après le week-end, je suis assez chargée. Ce qui fait que j'ai décrété que vendredi, on ne s'arrêterait que quand ce sera fini. J'ai l'air totalement morte. Bah, c'est normal, hein. Ça, c'est l'effet sortie d'une mise à jour sur Dofus, tu vois. Qui fait que bah j'ai l'écran comme ça toute la journée en mode y a-t-il un bug? Y a-t-il un bug? Non, absolument pas. Donc, j'ai survécu au sport. Oui, c'est la bonne nouvelle. Et justement, c'est pour ça que ce week-end, je suis pas trop dispo. Donc, ce soir, avec Mister NHD, jeu en coop, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Il sera là. Il a même une surprise pour vous. Mais voilà, nous allons faire le fameux A Way Out, qui est un jeu en coop, où nous allons nous échapper d'une prison. Voilà, ça va être sympathique. Et, fun fact, c'est les mêmes créateurs que ceux qui ont créé Brother A Tale of Two Sons, qui était un jeu de coop avec moi-même. mais oui, il fallait que je gère deux personnages en même temps sur une seule et même manette, et c'était un bon délire. Là, pour le coup, nous serons vraiment deux. J'espère que l'histoire sera aussi fun, voire même plus fun, hein, parce que quand même, Brother A Tale of Two Sons, je vous cache pas que, bon, on a failli se faire becter par une araignée, hein, ma passion, hein, les araignées, bien sûr. Et après, on a enterré notre frère, toute notre famille. Enfin, vraiment un jeu de la joie et de la bonne humeur. Sans compter que Eud nous a quittés également. Donc, jeudi soir, eh bien, je ne suis pas là, pas de soirée finale. Et oui, je sais que vous êtes extrêmement déçus. Vous avez été nombreux à me le signaler sur Twitter. Genre, non, pourquoi pas de soirée finale cette semaine? Tout simplement parce que... parce qu'avec les ponts et tout ça, il y a des gens qui sont en vacances la semaine prochaine chez Ankama. Enfin, chez l'équipe CM d'Ankama. Et du coup, quand c'est comme ça... Wow, Revax! Tiens, il me restait des bits. Franchement, c'était... Coucou Nao, du coup. Romantique. Bah, merci à toi, Nathalie. Apprécie. Hein, ça, je te cache pas que Nathalie apprécie beaucoup. Et donc, quand c'est comme ça, quand il y a l'un de nous qui part un peu en vacances, on le fait pas souvent, mais là, on va aller boire un coup à l'Ankama. Je me voyais mal refuser en mode... Non, mais les gars, déjà que je suis pas sociable de base, non, mais là, vous abusez, quoi. Donc voilà, je moque trois cette soirée. Et vendredi, du coup, pas de dodge, vendredi live, tu vois là, on compense. Le couvre d'or. Et quand le couvre d'or, coup de chou, bijoux, bienvenue à toi. J'allais dire, hey, mais c'est bientôt qu'il faut qu'on change de son de sub, d'ailleurs. Il va falloir qu'on change de son, il faut que je commence à regarder ce que je vais pouvoir mettre ce week-end. Donc vendredi, on finira probablement dans la nuit, je pense, sauf si je suis ultra efficace. Et quand le couvre d'or, Gomba Terror, pouette. Genre tu vas boire. Alors non, moi je bois pas d'alcool. Donc du coup, alors, ah, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à ça. Mais ah, laissez-moi finir ma prog, d'accord? Vendredi jusqu'à pas d'heure, parce qu'en gros c'était ça. C'est soit vendredi, je fais un petit live genre de 21h minuit max. Et le samedi en fait j'ai un cours de yoga à 17h. Voilà, parce que je voulais tester le yoga, voir si ça allait me détendre et tout. Donc le cours de yoga c'est à 17h, donc j'ai décidé d'y aller, parce que je suis toujours dans l'objectif faire du sport évidemment, tu vois, qu'il soit un petit peu moins courbaturant que ce que j'ai fait dimanche dernier, alors que, bon, ça va comparer au premier dimanche où là j'avais du mal à me mouvoir, monter les escaliers c'était un enfer, là ça allait, j'avais juste un peu de courbature au bras, mais là ça va, tu vois, mais voilà, je voulais faire du yoga, donc le dimanche j'ai ma session de sport normale, le samedi je voulais aller tester le yoga, et du coup je me suis dit, attends, parce que le samedi, j'ai quand même le best-of à faire. J'aime bien ne pas mettre de réveil, c'est quand même mon week-end, donc je ne suis jamais garantie d'être levée avant 14h.
hein, parce que autant parfois je suis levée à 8-9 heures le week-end, il n'y a pas de souci, que parfois à 15 heures je dors encore, c'est le problème. Du coup, c'est difficile de programmer un live si je dois me lever et partir au sport en fait. Oh, courage pour le yoga, merci à toi Dragos 468, qu'on le couvre d'or. Et voilà pourquoi j'avais pas programmé de live samedi. Merci Revax pour le resub. Et du coup, ça compte comme si c'était ton premier sub. Alors que je sais que tu as déjà été sub, c'est incroyable. Et bah t'as perdu toute ton ancienneté, bim, toute partie d'un coup. Et je disais donc, voilà, donc c'était dangereux de me dire, je fais un petit peu le vendredi, un petit peu le samedi. Alors que si je fais vendredi, samedi, dans la foulée nocturne, là c'est sûr que je fais un live le samedi du coup, tu vois. Donc j'ai choisi cette option là, et voilà. Et donc comme c'est un week-end avec un jour férié, je n'ai pas encore décidé comment j'allais organiser ma semaine prochaine. Mais bah vous saurez ça lundi. Enfin, ça se trouve lundi je vais vous dire, hey, il y a un live, tu vois. On sait pas. Alors, donc réponse lundi, mais voilà. Donc il y avait une question sur est-ce que tu vas boire de l'alcool, Nao, jeudi soir? Eh bien non, c'est incroyable, puisque je ne bois pas d'alcool. Ou alors si, très rarement, le cidre avec des crêpes. Et en plus, dans ma reprise sportive, il s'est passé un truc de ouf. Je me suis dit que j'allais arrêter le Coca-Cola, qui est quand même ultra mauvais pour la santé. Et que du coup, enfin, j'allais pas arrêter définitivement, mais que ça allait rester ma boisson de festivité. Genre, quand je vais à une soirée et que tout le monde se rince à l'alcool, je me rincerai au coca, hein. Voilà, ça sera ma boisson bonheur plaisir, mais pas tous les jours comme ce que je consomme actuellement. Du coup, voilà, j'arrête le coca, je serai à Team Evian, là, si vous me voyez avec du coca... Vous aurez le droit de m'engueuler, sauf soirée de fête, si c'est mon anniversaire, tu vois, j'aurai le droit de me m'octroyer peut-être un verre de coca pendant le live. Mais sinon, voilà, j'arrête le coca hors festivité, sachant que je fais pas beaucoup de festivités, donc normalement, voilà. Voilà, c'était un petit peu la bonne résolution que j'avais prise. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'au final, je vous ai même pas tourné ma vidéo bonne résolution, mais à la base, la reprise du sport et l'arrêt du coca... En fait, ça en faisait partie. Et donc, on est quasiment en avril et je commence mes bonnes résolutions. Voilà, il n'y a pas de... Faut pas se dire le 1er janvier, etc. C'est quand on veut, on peut. Quand on peut, on veut. Et voilà, ça marche aussi comme ça. Allez, j'arrête le coca, sauf quand j'ai soif. Alors non, hein, quand j'ai soif, du coup, de l'eau. De l'eau, voilà. Elle se bourre la gueule avec du coca. Oh non, je me bourre pas la gueule, mais il faut bien que j'ai le droit à ma petite boisson de soirée en mode hey, c'est pas tous les soirs, tu vois. Donc voilà. Non, je n'arrête pas la raclette, je n'en suis pas là. Du coup, la vidéo des 30K sera pour cet été. Alors, je ne sais pas. je n'ai pas tourné encore, parce que là, il y a la vidéo de la Woodbox qui est sortie cette semaine, genre lundi, qui est une vidéo que j'avais tournée le jour de ma première séance de sport, tu vois. Et donc, le temps que je fasse le montage et tout, avec mes horaires de fou, tu vois, ben... Non, parce que là, j'ai quand même plein de trucs. J'ai le taf, les lives, j'ai tous les trucs à côté des lives, c'est-à-dire mettre les VOD en ligne, préparer des montages, faire les best-of, tous ces trucs-là. Et j'ai rajouté du sport. Du coup, autant te dire que je n'ai plus de vie. Voilà, on peut le dire. Tu entends par festivité les streams? Non, non, non. Les festivités, voilà, ce sera les soirées entre amis qui sont assez rares, les fêtes de famille qui sont aussi assez rares, mon anniversaire, Noël, ce genre de trucs, tu vois, assez rare. Quelle idée aussi de faire du sport. Non, moi je suis bien emballée hein, par le sport, je suis pas déçue d'être allée à ma deuxième séance, tu vois, pour l'instant je tiens le rythme. Alors une fois par semaine, du coup cette semaine ça va faire deux séances de sport, tu vois, donc ça c'est pas mal. Et voilà, voilà, je prends mon petit rythme, je vais devenir une fit girl, ça va être énorme. Pas du tout. Alors c'était trop mignon, j'ai reçu plein de commentaires en mode « Mais Nao, mais t'as pas besoin de sport, t'es déjà très bien comme ça !» Alors oui, à la base, je vais pas spécialement faire du sport pour maigrir ou pour... J'y vais surtout parce que ça me saoule d'être un peu inactive. Hein. Je passe énormément de temps devant mon PC, hein, que ce soit en stream ou au travail en tant que CM. Et là, je me rends compte que je suis essoufflée dans des escaliers. Voilà, on peut le dire. Allez, courage pour tes bonnes résolutions, tu peux le faire. Merci, Avada. I can do it. I know I can do. Et ouais, voilà. Donc je me dis, c'est pour me maintenir en forme, pour avoir plus cette impression d'être vieille. Et dans l'idée, bah voilà, peut-être m'affiner un petit peu, puisque
vous êtes là, wow, t'es super, bien. Mais moi, je trouve quand même que j'ai un petit peu. Mon ventre n'est plus plat comme il était avant quand je pratiquais du sport, tu vois. Donc j'aimerais bien retrouver ce ventre extrêmement plat. Ça ferait plaisir. Ouais, la salle de sport tous les matins, allez là, faut se motiver. Non, mais le matin, c'est mort, je me lève à 7h. Comment tu veux que j'ai le temps de faire du sport? Sachant que je me couche à minuit, le temps de. Je coupe les lives à 22h, généralement je dors pas avant minuit, le temps de finir tout ce que j'ai à faire, tu vois. Parce que là, vous avez oublié quand même que quand je rentrais du taf, j'avais juste le temps d'allumer le live et d'être là, je pense. À un moment, bah je sais pas, faut peut-être se laver, manger. Vous savez que je mange pas beaucoup déjà, et. Je mange pas beaucoup, mais que des trucs dégueux. Ah, c'est depuis que l'escalator est devenu. Soit devenu en panne. Non, c'est de. Non, c'est le matin. C'est plus quand j'arrive vers Roubaix, justement, que je sens que je suis essoufflée de. Alors que c'est le matin, tu vois, genre. Je connais un mec qui se lève à 5-6 heures pour aller courir le matin, c'est un ouf. Alors, déjà, de 1. Jamais j'irai courir à 5-6 heures du matin. Et deuxio, je me lèverai pas pour aller courir. Et deuxio, j'irai pas courir tout court. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant, je trouve, que de courir sans but. Tu me fais courir derrière un ballon dans un jeu de sport collectif, ça, il n'y a pas de souci. Mais alors courir pour courir, il n'y a absolument aucun intérêt. Donc là, je fais des trucs chouettes. Je fais des pompes, des tractions. Non, j'ai pas commencé les tractions encore. De la corde à sauter, des trucs avec des boules. Des poids, ça serait un terme plus exact. Mais voilà. Coucou du Québec. Hey, salut le Québec. Coucou Nao, t'as bien géré le Dofus Live hier. Ouais, ça m'a fait plaisir. J'aime bien faire ces exercices-là. Je préfère, sur les Ankama Live, j'aime bien faire un peu les exercices d'host plateau. Ce que je peux pas faire finalement sur mon stream perso que du jeu pur gameplay. Je préfère le faire sur cette chaîne, tu vois. Sport, je connais pas, ça se mange. Oui, éventuellement. Hey, t'es super belle sur la photo en legging. Alors le sport, bah ça se passe très bien. Ah oui, vous avez tous été très gentils. Vous êtes tous très gentils. Vous êtes tous très mignons. Vous m'avez aussi demandé de faire des vlogs de fitness. Bah écoutez les gars, on va attendre peut-être que j'ai un peu plus d'endurance et que je sois pas rouge comme une tomate dès que j'ai fait deux squats, tu vois. Mais oui, sinon c'est un concept, hein. Pourquoi pas. Très bizarre comme sport les boules. Mais je crois que la pétanque. Attends, c'est la pétanque ou. Le couvre d'or! Le bowling qu'on le couvre d'or! Kazoo Player, et bienvenue dans la Nahorde. Je sais plus quel sport, mais il y a un sport comme ça qui fait masse audience. C'est la pétanque ou le bowling? Mais c'est un sport de boule, hein, je te jure. Ou le billard, peut-être. Un sport de boule. Voilà, bah, c'est du sport, hein. C'est pas du e-sport, c'est du sport de boule. Tu penses quoi du vrai New Astrub? Les mobs un peu cartoon, non? Moi je trouve sympa la refonte graphique. Là je te parle en tant que joueuse. Attention, n'allez pas dire oh là là, la CM pense que. Moi j'aime bien. J'ai hâte de découvrir surtout l'histoire qu'ils ont incorporée avec, faire les nouvelles quêtes et tout. Voilà, moi j'attends, puisque pour l'instant j'ai pas trop vu. C'est pas du cul tout simplement. Non, on parlait pas de ces boules là. Rien de plus chiant à regarder que la pétanque. Mais je sais plus lequel c'est, genre. À quand un live cross maga? J'ai pas prévu ça cette semaine, ça c'est sûr. Je sais pas quand. Là, je vous avoue, je vous en avais parlé aussi dans la vidéo Woodbox. Parce que là, je vois tout le monde en train de parler de Far Cry, Far Cry, Far Cry. Tout le monde est dessus. C'est vrai que c'est un jeu, j'aurais bien aimé tester. J'ai jamais eu l'occasion de faire des let's play sur des jeux comme ça. Et je me dis, quitte à choisir entre Assassin's Creed et Far Cry, certes, Assassin's Creed est sorti il y a un petit moment maintenant. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit dans l'Égypte et tout, j'étais un petit peu emballée par le faire. Mais sauf que ça demande extrêmement beaucoup d'heures de jeu. Et c'est assez long. Il faudrait presque en faire genre un truc qui se suit, genre un petit marathon ou quoi. Et je n'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas le time horaire de pouvoir assurer ce live. La Franchement, liposuction marche bien aussi, Kaba. Non, ça, j'ai pas prévu. Je vais essayer d'aller de perdre ma cellulite avec la méthode alimentation, sport et sommeil. Voilà, on va essayer de faire comme ça, c'est déjà pas mal. Mais en fait, vous le savez déjà sûrement aussi, moi j'ai pas mal de. Enfin, j'ai pas mal de problèmes de santé, j'ai vraiment un système immunitaire de merde, hein, on peut le dire, donc tout ce qui passe, j'ai tendance à me le choper. Je suis. La dernière fois que j'ai été malade en live, je pense que c'est quand j'avais plus de voix du tout et que je faisais à moitié de l'asthme, là vous vous en souvenez. Donc mine de rien, là je touche du bois, mais ça commence à dater. Et il y a eu des grippes, il y a eu des gastro et tout au taf, et j'ai pas chopé. Donc je retouche du bois parce que j'ai pas envie que ça m'arrive. Mais je pense que par l'alimentation déjà et le sport, il y a beaucoup de trucs que je pourrais améliorer de ce côté-là pour
pour être mieux, ne serait-ce qu'avec ma santé, quoi. Le sommeil. Non, il faudra qu'on reparle de ce qu'on a parlé sur Snap à propos de le couvre-dor, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit déjà? J'y sais plus. Dites à Naomi que vous fêtez vos 2 mois d'abonnement aujourd'hui. Et bah, GG. Level up niveau 2 à Valplay TM. Je touche du bois. Je connais ça, mais j'ai eu un cancer en fait. Alors, j'en suis pas là. Hein. Moi, j'ai juste une putain de maladie auto-immune. Mais voilà. Et il y a plein de choses qui peuvent être améliorables par l'alimentation. Et donc, je vais essayer de prendre un peu plus soin de ma santé, voilà, qui est fragile. Alors, je sais pas si c'est parce que je prends de l'âge ou je me rends compte, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense que c'est important. Voilà. Donc, j'ai envie de. J'ai envie de prendre un peu plus soin de moi. Du coup, c'est toi, Ouraxorus, qui a le plan de la prison tatouée dans le dos. Ah, ça, c'est un secret encore que nous percerons tout à l'heure. Un live tuto cuisine. Non, mais. Mais voilà, mais je suis contente parce que j'ai reçu plein de messages. Je me répète beaucoup ce soir en mode ouais, je suis contente. Mais j'ai reçu plein de messages de gens qui disaient bah déjà qui m'encourageaient, genre de ouf, vas-y Nao, lâche rien, on est derrière toi et tout, donc ça fait plaisir. Et j'ai reçu des messages de gens aussi qui disaient ah bah vas-y, moi aussi je cherchais à me lancer dans le sport, j'avais pas la motive, mais l'effet que tu te lances, voilà, je me dis que du coup ça va me booster et je trouve ça grave cool en fait. Et là, je me dis, oh là là, je suis influenceuse, mais vraiment dans le bon sens du terme. Le couvre d'or. Et qu'on le couvre d'or. Et bienvenue avec toi, Alexitas. Un live sportif avec les viewers. Alors, du coup, après, attends, mais Just Dance, ça va devenir qualitatif la prochaine fois que je ferai, tu vois. Déjà, je serai hyper endurante, je serai plus essoufflée comme un bœuf au bout de 2 moves. Et de l'autre, peut-être que j'arriverai à faire des moves que j'arrivais pas à faire, justement. Vas-y Nao, tu vas tous les retourner. Ça serait marrant un live à la salle de sport, mais au niveau du setup, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est quand même plus facile de faire des vlogs là sur de ce côté-là, je te calme pas. Une rencontre abonnée dans une salle de sport. Ouah, je suis pas sûre qu'on ait les droits. C'est quand même. Tu vois, la salle de sport où je vais, il y a quand même beaucoup de monde, hein. Et le fait que personne sache qui je suis là-bas, ça me va très bien en vrai. Faudrait pas que je commence à signer des autographes en mode. Enfin, tu vois, je fais vraiment des trucs ridicules. Enfin, c'est pas que c'est ridicule, mais. Parce que tout le monde le fait à la salle de sport. Mais quand même, est-ce que j'ai vraiment envie que tous mes abonnés me voient comme ça? Souffrir? Je sais pas. T'es quand même souple, la vidéo était bien. Ouais, mais justement, ma souplesse, il y a de beaux restes, mais j'ai vachement perdu. Ça aussi, j'aimerais bien. J'aimerais bien retrouver un peu ma souplesse. Go Insanity, j'ai perdu 15 kilos hein, moi. Alors moi si je perds 15 kilos je deviens anorexique hein, donc on va éviter te voir souffrir bien sûr. Non, Insanity on n'en est pas là. Donc ça c'est un truc beaucoup trop hard. J'ai pas besoin hein. Je pèse 50 kilos les gars. Si je perds plus c'est pas spécialement bon pour ma santé hein. Je veux pas perdre de poids. Qu'on se le dise. Limite peut-être t'en prendre un petit peu, mais au moins du muscle, pas de la graisse, tu vois. Le muscle pesant plus lourd que la graisse, c'est normalement techniquement possible. Elle va se transformer en planche, je vais disparaître à ce stade. Ouais, viens à la salle, là, je vais te faire tellement courir sur un tapis en gueulant qu'on t'appellera Down Shape. Tu perds 15 kilos, tu perds un os. Elle veut pouvoir faire un German souplex. Attends, ça me rappelle trop Great Teacher Onizuka, mais je ne sais plus pourquoi. J'aime manger des mini saucissons devant les vidéos de sport. Insanity, j'ai fait 3 jours into syncope puis give up. En vrai, je ne sais pas vraiment à quoi correspond Insanity. Enfin, je sais que c'est hard, mais je sais pas dans quelle mesure. Qu'est-ce qu'on te demande de faire, tu vois? Justement, tu transformes en muscle. Franchement, c'était. Bah oui, donc non, mais je suis censée prendre du poids. 50 kilos, dont 20 kilos de poitrine. Je pense qu'en vrai, 20 kilos, c'est peut-être abusé, mais j'ai pas mal de poids dans les boobs, ça c'est sûr. Mais ça depuis toujours, hein. Depuis le collège, je maudissais au sport d'avoir autant de boobs parce que je me disais, je suis alourdie pendant les courses d'endurance où tu dois tourner autour du stade et où c'est full chiant déjà de courir sans but, hein, tu sais, j'étais là, moi j'ai des poids, hein. Moi aussi quand on rajoute ça aux autres, hein, qu'ils aient plus de masse à traîner là. Insanity, tu vois la mort, bah c'est la mort qui vient tuer la mort. Ah, programme, vas-y je regarde, qu'est-ce que ça dit? Il y a un truc, premier mois, nouveau programme fitness à la mode, aussi exigeant qu'efficace.
Alors, il y a un tableau, mais ça me dit trop rien. Hein. Ah! C'est tous les jours! Mais c'est mort déjà, hein. Genre, j'ai envie de te dire. Non, il y a le Saturday Rest Day. Oh là là, non, mais c'est. Trop de sport, tu joues sport, hein. Un moment. Le couvre-dents. Et quand l'autre couvre d'or, JJBP, bienvenue dans la Nord. J'ai fait une semaine d'insanity, ça m'a pas marché du tout, j'ai abandonné. 20 kilos de poitrine plus fesses. Non, ça va, mon cul, ça va. Thibaut InShape sera intéressé par toi. Mais Thibaut InShape, il a sa Madame InShape, arrêtez tout. Et puis, je vous avais déjà dit que j'aimais pas Le trop, non? couvre-dents. Les gens trop musclés. Merci, Shockyend, pour le resub. 13 mois d'affilée, c'est énorme, toujours. Coucou, toujours cool de te regarder. Mais merci, ça fait plaisir. Mais, enfin, en gros, les mecs musclés où c'est sec, ça va, tu vois. Mais les mecs musclés où t'as l'impression qu'ils ont mis de l'eau dedans pour faire plus gros, ou du botox, tu sais pas, des prothèses, ça c'est un peu bizarre. Moi j'aime pas, hein, ça Le couvre-dents. me. C'est trop. Et moi, faut, je vous rappelle, je suis petite, donc tout ce qui est à côté de moi va vite devenir très impressionnant. Donc vous n'avez pas besoin de ça à côté de moi, voilà. Voilà! Coucou Nao, super le Mais où est Charlie sur le forum? Ah, merci, ça me fait plaisir. C'était la petite animation qui s'est faite sur le forum officiel d'Ofus ce matin pendant la maintenance. Parce que les maintenances de mage sont toujours un petit peu plus longues. Déjà, beaucoup d'eau et une alimentation équilibrée, c'est déjà super bien. Exactement! C'est ce que je me dis! Je veux juste vivre un peu plus sainement et en harmonie avec mon corps. Pas besoin de devenir Hulk, tu vois. Tu fais quelle taille? Je fais 1m58. Les gars musclés comme moi. Oh oui, c'est vrai que toi tu es très très musclé, Shipman. Je t'ai vu te porter ton pack d'eau à un seul petit doigt. Par contre, Nao, le problème des percos, il y aura un patch fixe par rapport à quoi? Alors, attention, Raven n'est pas là sur ce live. Du Santol dans les bras, ouais, on avait vu ça pendant une sortie nalle. C'était full dégueulasse. Je sais pas pourquoi les gens font ça, genre ils se font du mal, hein. Moi je garde mon gras pour en avoir, pour pas avoir froid l'hiver prochain. Moi j'ai pas du tout d'alimentation équilibrée, moi non plus. Moi et les légumes, nous sommes pas amis. Ils ne franchissent pas le pas de la porte. Du coup on va pouvoir travailler là-dessus, c'est sûr. Nao, prépare-toi, à la fin, il y a la fin. Vraiment, je n'y pensais pas. À quand le prochain Escape Game? J'ai pas d'invitation, donc c'est pas prévu. Pour toi, un calibre imposant, c'est combien de centimètres? Ouh là là! On parle pas du même délire. Oh, 508! Nathalie apprécie. 1m58, dis-nous la vérité, c'est bien moins. Non, non, je fais 1m58. N'allez pas me rapetisser, d'accord? C'est déjà pas très grand. Voilà. Je suis un peu triste de jamais avoir dépassé le 1m60. Donc n'allez pas me dire que je fais moins d'un mètre cinquante. Mais non, c'est faux, d'accord? Après, les légumes, mangent des carottes râpées et des petites croquettes de maïs, concombre, carottes. C'est vrai que les carottes râpées, c'est un des seuls légumes qui passent. Les poireaux, j'aime bien. Enfin, il y a quelques légumes, mais disons que c'est pas forcément ce que je vais prendre aux courses quand je vais y aller. Par contre, les fruits, ça, c'est plus facile. 1m58 avec ou sans talons? Sans talons! Nao, je suis prêt à te coacher gracieusement si tu le souhaites, à prendre les rudiments de la nutrition et du sport selon tes objectifs. Eh bien, j'ai déjà un coach sportif et. C'est Ragnar Lodbrok. Moi, je suis tombée amoureuse de mon coach sportif, je vous avoue. 1m50, c'est quand tu auras 80 ans. Oui, parce que je vais rapetir, c'est obligé. C'est déjà bien 1m58. Il y a des peluches plus grandes que ça. Bah, ma dragoon, hein, on en est là. Je fais 1m75 et j'ai 15. Et j'ai 15 ans, j'imagine. J'attends la rencontre abonnée. Il y avait des commentaires comme ça sur la vidéo de Benoît et Marie-Thérèse, je crois qu'elle s'appelait sa mère, de Pascal le grand frère la soeur Tinal, dont il y avait le best-of. Et les gens sont là, ah, oh, il fait 1m60, oh là là, il a 20 ans, il fait 1m60, le gars, moi j'ai 15 ans, je fais 1m80, tu vois, moi j'avais envie de dire, ouais, bah moi j'ai 28 ans, je suis 1m58 et je t'emmerde. Mais non, on dit pas ça, tu vois, c'est. Voilà. Donc, les petits là, hein, les moins de 18 ans qui fanfaronnent de faire plus d'1m60, allez vous faire, hein, cordialement la direction. Par contre, je me demande comment t'as fait pour faire des roller coasters de parc d'attractions. Ah bah je passe! Et c'est 1m40 quelque chose, la limite. Je passe! Je fais 1m75 et j'ai 16 ans et j'ai très mal aux jambes. Voilà! La croissance, ça fait souffrir. Moi, l'avantage, c'est que j'ai un point de gravité très très bas. Genre, tu peux difficilement me déséquilibrer. Du coup, je tombe rarement. 14 ans et 1m89 pour ma part. Ok, bah d'accord, c'est un géant. Il n'a pas fini sa croissance. Il va faire 2m50. Ça me rappelle le mec, vous saviez, où ça,
Sa pointure, c'était plus grand qu'une bouteille de coca de 2 litres. On avait la photo. Oh là là. Cette vidéo n'est pas encore sortie d'ailleurs. Il n'y a pas encore eu de best-of de fées. Mais il y aura, c'est sûr. Être grand, c'est pas fun tous les jours. Ouais, bah moi, quand je vais faire les courses, je suis toujours obligée de demander à quelqu'un si je veux attraper un truc là-haut parce que je suis trop petite, ok? Ou alors j'essaye de monter sur l'étagère, mais j'ai peur que ça casse à un moment et que je renverse plein de trucs. Ça, c'est quand il y a vraiment personne et que je suis dans la merde. Ah, mais c'est génial de faire moins d'un mètre 60. Tu peux ninja quand tu veux. Je n'arrive même pas à attraper la barre à la salle de sport, justement, à laquelle je devais m'accrocher. Je suis obligée de monter sur une caisse et tout. Peut-être pour les courses, mais être grand, c'est se prendre des branches dans la gueule dehors. Ouais, bah nous, on est quasiment tout le temps dans les transports en commun, sous les bras des gens. Alors ? Et pareil, quand tu es plusieurs dans le métro, tu ne peux pas respirer au-dessus. Tu es coincé entre des gens. Tu ne peux pas respirer, tu étouffes. C'est quoi le jeu de ce soir avec le super beau Mister NHD ? Je suis trop curieux. Bah, ah, oh, mais Raxorus. Bah, c'est bizarre. Je crois que tu le connais très bien, Mister NHD. Je pense que tu devrais lui poser la question. Et moi, trop grand pour entrer dans une voiture cabriolet. Petite anecdote, au Québec, la grandeur c'est en pied et nous on mettra. Ah, ça, on le sait. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler dans la vidéo qui doit sortir demain si je ne rentre pas trop tard. On va créer des transports spéciaux pour les gnomes. Ouais, mais quand tu es trop grand, tu dépasses dessous la couette. C'est à celui qui a la pire vie, ok. La bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Exactement. Ça, c'est bien vrai, dis donc. Et Casu Player qui rentre ainsi dans le top 3 sur le podium des donneurs de beats. 1m58, te plains pas, je fais 1m47. Oh bah j'ai fait 1m47 hein, un jour dans ma vie, hein, ça c'est sûr. Et il est 20h, nous allons donc pouvoir partir sur le jeu vidéo de ce soir. D'ailleurs nous allons changer, parce que là nous étions en talk show. Nous allons partir sur A Way Out. Paf. Et nous allons couper la musique et nous allons prendre Mister NHD en vocal. Bonsoir. Et bonsoir à tous. C'est bien, on t'entend, c'est parfait. Tu n'avais pas cette tenue tout à l'heure? Non, je me suis changée. Vous allez voir. Voilà, nous allons passer sur la scène du jeu vidéo, puisqu'on a une petite surprise aujourd'hui. J'espère que ça va bien fonctionner. Et on va lancer le jeu également, comme ça, c'est fait. Hop. Et voilà. Bonsoir à Raxorus. Bonsoir à tous. Mais alors, du coup, t'as... Voilà.